Merci et bonjour. Donc je remercie Rosine Lheureux de m'avoir proposé d'intervenir à propos du fonds Jean-Camille Formigé du musée d'Orsay. Et je souhaiterais au cours de cette présentation, cette intervention, montrer à la fois l'intérêt du fonds consacré au paysage urbain selon Formigé et puis le rôle d'un musée dans la constitution des collections d'architecture. Et en revoyant mes images ce matin, j'ai constaté avec surprise que j'avais employé le terme d'architecte paysager. En fait, chez nous, la terminologie est encore un peu ambivalente. Nous parlons plutôt d'architecte paysagiste, mais je sais que, en fait, nous parlons aujourd'hui de paysagiste. Et vous voyez que, en fait, en écrivant, c'est devenu architecte paysager, et je suppose que ça signifie quelque chose. Pour nous, Jean-Camille Formigé, c'est un architecte populaire, on pourrait dire, dans le sens où il apparaît ou bien il réapparaît régulièrement au cours de nos recherches, de nos besoins. Et cela s'explique pour deux raisons. La première, c'est que le fonds que nous avons, et vous allez voir, est diversifié, donc utilisable dans plusieurs domaines. Et la seconde raison, c'est que certains des dessins de Formigé sont tout simplement très beaux. Or, ce critère de beauté est fondamental pour nous. Et nous travaillons dans un musée, et dans ce musée où la peinture prime et où elle primera en fait toujours. Donc ça, c'est un des premiers critères, si ça peut être un critère compréhensible, cette notion de beau dessin. Le fonds donc est diversifié en fait grâce à un don qui a été consenti en 1992 au musée d'Orsay par l'arrière-petit-fils de l'architecte qui s'appelle Patrick Formigé, avec la participation de l'association des amis du musée d'Orsay, la SAMO. Et ce fonds contient en effet, dans l'ordre chronologique des réalisations, et puis de manière très rapide, hein, parce qu'on n'est pas là pour parler de ce fonds, qui ne concerne pas directement donc, les projets urbains, nous avons reçu donc un projet de monument commémoratif de l'Assemblée constituante de 1789 à Versailles, un projet de monument de la Fédération de 1790 prévu pour le Champ de Mars, un projet du crématorium du Père Lachaise en 86, des projets, vous avez un exemple sous les yeux, pour l'exposition universelle de 89 et particulièrement les décorations intérieures et extérieures des grandes coupoles du Palais des Beaux-Arts qu'il a construit, des dessins également pour l'exposition universelle de 1900 et particulièrement nous avons un grand fonds qui concerne le pavillon royal de Roumanie et son restaurant, ainsi qu'une étude du pont palais de l'électricité. Nous avons également reçu un fonds sur le nouvel hôtel de ville de Paris avec son réaménagement autour de 1905. Et tout cet ensemble, en fait, constitue environ 150 dessins qui sont faits de beaux dessins, par exemple celui-ci, mais aussi de calque et de bleu également. En 2013, le fonds est complété par l'achat en galerie de la représentation du char allégorique de la ville de Paris de 1878, mais aussi du monument à Gambetta, que vous avez également sous les yeux, daté de 1884. Et là, vous voyez comment l'architecte, justement, traite l'édifice, l'édicule, en y ajoutant à l'arrière donc, de la végétation. Alors, outre ce fonds donc, de 92, qui constitua pendant longtemps la connaissance en fait, de l'architecte au musée d'Orsay, et qui fit d'ailleurs l'objet d'une exposition d'Orsay en 1993, malheureusement sans catalogue, Formigé est donc dans nos esprits au musée d'Orsay, celui qui orna les stations aériennes du métropolitain et qui trouve aussi sa place dans nos études, dans nos recherches et dans nos idées d'accrochage, bien que nous n'ayons pas de dessin s'y rapportant. Jean-Camille Formigé, en fait, impressionne par sa carrière longue et pleine qui en fit un architecte prolifique. D'abord formé aux arts décoratifs, il intègre l'atelier de l'architecte Charles Lainé à l'École nationale supérieure des beaux-arts en 1865. Il renoncera au prix de Rome pour raison de santé après sa participation au combat de 1870 et il se distingue très tôt par son goût pour la peinture, le modelage, qu'il gardera toute sa vie et qui nous permet, nous, historiens de l'art, de mieux comprendre ses dessins qui sont extrêmement colorés et qui sont aussi qui accorde énormément d'importance au modelé. Il mène de front une carrière au monument historique entre 1871 et 1880, grosso modo auprès notamment d'Émile Boswivald, et puis
parallèlement à la ville de Paris où il est engagé dès 1869. Et pour cela, il participe au concours pour la reconstruction de l'hôtel de ville. Et il est remarqué en fait par Théodore Balu et Édouard de Perthes, qui sont les lauréats en 73, et il en reprend l'agence en 85. Un an avant, donc en 1884, il devient architecte des promenades et des plantations de Paris, fonction qu'il exercera plus de 30 ans. Et c'est dans le cadre de cette nouvelle responsabilité que Formiger en fait va être amené à dessiner les squares et les fontaines de Paris, comme nous le savons, et qui sera chargé aussi des grands aménagements urbains, par exemple celui de la place de la Nation avec le sculpteur Dalou. Et il sera confronté, ça aussi vous le savez, à Jean-Claude Nicolas Forestier, qui n'est pas architecte et avec lequel il ne s'entendra jamais réellement, mais dont il sera néanmoins hiérarchiquement responsable sur le plan fonctionnel avec tous les problèmes que cela va poser d'articulation du travail et de positionnement de l'un et de l'autre. Sous les yeux, vous avez donc un des fonds que nous possédons donné en 92, qui concerne l'exposition universelle de 1900. Et là, vous voyez en particulier dans celui-ci, combien le travail de Formiger avec ce plan, donc qui remonte à 94, pardon, intègre aussi, bien sûr, les espaces verts, si on peut parler comme ça. Et la construction métallique également intéressera beaucoup Formiger et nous intéresse donc nous aussi dans notre domaine, particulièrement donc dans le cadre des stations de métro, mais aussi pour la construction de la serre municipale à Auteuil. Et curieusement, il n'est jamais mentionné le nom de Eiffel dans tous ces aménagements, alors que les dates coïncident à plusieurs moments dans leur carrière. Mais là aussi, il y a la barrière ingénieur-architecte qui est quand même vraiment réelle, en tout cas lorsqu'on travaille sur ces fonds et sur ces deux entités hein, qu'est la formation d'architecte, la formation d'ingénieur, d'autant plus que Eiffel, lui, exerçait dans le privé et en tant qu'entrepreneur. Et en 2013, donc, nous avions acquis les deux dessins dont je vous ai parlé, mais surtout, nous avons, grâce à une galerie spécialisée dans les dessins d'architecture, pu acquérir un fonds de dessins consacré aux aménagements urbains de Formiger à Paris. Sont concernés le Champ de Mars, la Porte Maillot, la Butte Montmartre. Cette acquisition nous a semblé être une opportunité sans précédent pour compléter le fonds de 1992, hein, parce que dans les musées, finalement, on a aussi cette idée hein, de compléter ce que nous avons déjà pour donner une cohérence et pour densifier et donner de l'intérêt en fait aussi à l'architecte ou bien au lieu, mais aussi nous a paru intéressant pour ouvrir un nouveau domaine qui finalement nous était assez étranger, celui de l'aménagement urbain paysager. Sur le plan des dates, on peut comprendre aussi pourquoi le domaine nous est relativement étranger, hein, puisque c'est quand même un domaine qui s'ouvre plutôt au début du XXe siècle. Mais en effet, on peut quand même dire qu'en écho à la volonté de Haussmann et de Halfand de munir Paris de parcs et de jardins intégrés dans le maillage des quartiers de la capitale, nous avons considéré que nous avions en réalité dans nos fonds très peu de dessins sur le plan quantitatif et qualitatif, mettant en scène cette réflexion capitale pour l'histoire de l'architecture urbaine. Et c'est vrai qu'à Orsay, par exemple, nous avons bien sûr les ouvrages d'Alphand, nous avons des gravures que l'on trouve dans les livres, mais nous n'avons pas tant que ça de dessins, en fait, qui permettent d'avoir une réflexion sur l'aménagement paysager urbain de Paris. L'explication peut-être la plus simple est que la plupart des aménagements urbains paysagers, outre le fait que ça se passe un peu plus tard, hein, notre période c'est 1840-1914, donc à partir des années 1900-1910, on est toujours un peu gêné en termes d'acquisition. Peut-être que ça s'explique tout simplement aussi par le fait que la plupart du temps, ces aménagements urbains sont commandés soit par la ville de Paris, soit par l'État, et que normalement ces dessins devraient se trouver naturellement conservés dans les fonds d'archives correspondants lorsqu'ils n'ont pas été détruits. Donc pour nous, le fonds d'Orsay est d'autant plus important qu'il concerne bel et bien des projets non privés et que c'est finalement une chance pour le musée, mais aussi pour les dessins,
d'être arrivée jusqu'à nous. Et dans ces cas-là, on débloque de l'argent, puisque tout ça, comme je disais tout à l'heure, nous provient tout de même d'un galeriste qui, lui, n'avait pas l'intention de faire un don. N'est-ce pas ? Voilà. Alors, ce dessin... Alors, le Champ de Mars, nous n'avons qu'un seul dessin, hein, donc on ne peut pas parler de fond. On sait que le Champ de Mars donc, a été mis en valeur, évidemment, par l'édification de la tour Eiffel, et que c'est Paris qui, après 1900, la ville de Paris, souhaite trouver un aménagement pérenne pour ce lieu. Une commission est établie, un cahier des charges porte sur le fait qu'il faut tenter de réaliser un lotissement qui financera l'aménagement du Champ de Mars, qu'il faut conserver la partie centrale en jardin, mais également la perspective très importante entre l'école militaire et le Trocadéro, et qu'il faut créer des voies de circulation autour. Donc c'est un programme d'urbanisme qui inclut définitivement cette zone à Paris, et le projet est acté en 1904 avec une conception qui revient à la fois à Forestier et à Formiger, mais en réalité, ce que nous voyons ne sera pas réalisé. On remarque que le dessin est construit, régulier, qu'il propose une alternance entre les parterres végétaux rectangulaires de part et d'autre, et de part et d'autre les bandes qui sont plutôt destinées donc aux promeneurs et aux passants, tandis qu'une double rangée d'arbres arbore et délimite la perspective. Au centre, un bassin rond d'où partent des voies de communication avec les quartiers environnants, avec un dessin de voies semi-circulaires qui forment un écrin et qui rappellent les aménagements qui vont se faire autour de l'avenue de Breteuil qui n'est pas située si loin que cela. Les nouveaux immeubles sont aérés avec de larges avenues et prennent leur place en tant que lotissement dans le jardin. Nous avons affaire à un lotissement pour une population aisée. Et la composition d'ensemble du jardin s'inscrit dans la lignée des grandes perspectives des parcs à la française, mais le contact entre la zone paysagère et la zone urbaine proprement dite est bien existant, et donc le dessin est à lire comme une solution adaptée à la recherche d'un paysage urbain. Nous avons beaucoup plus de dessins pour l'aménagement, le projet d'aménagement de la porte Maillot. Nous avons 12 dessins et des calques qui, alors ça n'a pas été non plus réalisé, et qui concernent un projet d'extension donc, de Paris entre le dit point du jour et la commune de Levallois-Perret. Et les plans que nous avons pu acquérir donc, dévoilent une vraie réflexion d'urbaniste qui tente d'intégrer une place que nous allons voir, avec au milieu un ensemble de voies qui relient des zones en fait à la fois ouvertes et en même temps terminant un espace limité, l'espace des communes. Hein, on passe de Paris à Levallois. L'emplacement se nommait auparavant le porte de Neuilly, que l'on voit inscrit sur le plan, et occupait les anciens bastions de l'enceinte construite par Thiers en 1844. On voit le dessin, enfin on voit plutôt la plage colorée qui suit les bastions. Et les jardins imaginés autour de la place forment des sinuosités, hein, des chemins sinueux, des courbes tournant autour d'édicules ou bien de lieux de repos, qui rappellent les propositions d'Alphand, par exemple, pour le jardin du Champ de Mars de l'exposition universelle de 1878 notamment. C'est un héritage du jardin anglais. Et une construction est imaginée, très imposante, vous allez voir l'élévation après, qui s'inscrit en... un bâtiment qui est doublé en réalité et qui permet de former cette espèce de place ovale magnifiée par des fontaines ornées de petits obélisques. Et voilà l'élévation, en fait, tout comme la production en général de Formigier, ce projet de monument reste très classique dans sa conception, vous voyez, une colonnade, des arcades régulières, des pots à feu en couronnement, légèrement concave, un avant-corps formant arc triomphal, surmonté d'un groupe sculpté qui peut symboliser la République, il faudrait voir cela de plus près, et la place en général fait référence à des places célèbres italiennes, sans pour représenter une place en particulier. Un autre projet imagine un dessin très imposant, enfin un édifice, je veux dire, très imposant, vers le nord, ouvrant vers le nord et ouvrant sur une vaste perspective paysagère. Et voilà, tous ces dessins nous semblent, nous, intéressants concernant la réflexion sur l'emprise au sol des places et des monuments, mais aussi sur la réflexion autour des passages et de la communication. Et donc, nous permet d'envisager, en fait, au cours de nos accrochages et de nos expositions, des réflexions
sur l'espace, en fait, l'espace urbain. Alors, le troisième fonds concerne le projet d'aménagement de la butte Montmartre, qui lui a été révisé en très grande partie. Nous avons 8 pièces, et sur les 8 pièces, nous avons 6 gravures et 2 dessins. Vous voyez, donc, il faut aussi accorder l'importance au fait que, bien souvent, ce qu'on nous propose également, lorsqu'il s'agit de fonds de cette sorte, qui, en fait, sont déjà renseignés, soit par les archives nationales, les archives de la ville de Paris, ou encore la médiathèque du patrimoine, eh bien, parfois, ce sont ou des photos ou des gravures hein, que nous ne pouvons acquérir. Et c'est vrai que ce lieu est un lieu hautement symbolique puisque ça concerne l'écrin du vœu national. Donc cette construction de l'église du Sacré-Cœur qui a été déclarée d'utilité publique par la loi de 73 pour expier les événements qui se déroulèrent donc précisément à Montmartre durant la Commune. Et le dessin des abords de la basilique a été initié par Alphand autour de 1880. Mais du fait de la topographie très particulière des lieux très pentus, les travaux provoquèrent des glissements de terrain qui retardèrent l'exécution de l'aménagement de ce lieu, et c'est Formigé qui reprend le dossier en 1898 et qui sera aidé par son collègue Bévière qui lui-même va reprendre les travaux à la mort de Formigé et qui apportera quelques modifications. L'ensemble est achevé en 1932 et l'idée est bien entendu de relier la basilique à la ville avec 50 mètres de dénivelé, mais aussi de permettre une montée progressive vers le Sacré-Cœur, une montée qui, à la fois physique et symbolique, vous voyez. Donc il y a cet aspect extrêmement important de la montée. Et l'architecte doit inventer un moyen de donner l'impression que le Sacré-Cœur est dans l'axe, alors que ce n'est pas du tout le cas, et qu'en réalité, des habitations occupent la partie est, et donc que cela entraîne la nécessité de créer des parties dissymétriques de part et d'autre de l'axe central, hein, et qu'on devine donc très très bien avec ce déploiement à droite du jardin. Et ce qui est remarquable, c'est que l'un des dessins dévoile, en fait, un projet beaucoup plus grand d'envergure, de créer une perspective qui va bien au-delà donc, de la place Saint-Pierre actuelle, du bas de la butte, qui passe le boulevard de Rochechouart et qui tend jusqu'à l'avenue Trudaine. Le projet est donc d'envergure et une fois de plus privilégie les alternances régulières et géométriques entre les parterres, les allées piétonnes, les voies de circulation. L'axe central du jardin de la butte est donné par la fontaine, qui est traité comme un infait, qui sert à la fois de terre-plein et presque d'écrin pour porter l'église elle-même, et qui en même temps sert de départ d'escalier qui relie le niveau supérieur au niveau inférieur des jardins. Les dernières marches, c'est-à-dire celles qui sont situées en haut avant le parvis, sont traitées comme des escaliers des châteaux royaux des XVIIe et XVIIIe siècles, et sont destinées à ouvrir sur la perspective. Donc, en fait, le dessin de Formigé sert à monter ce lieu, mais également, bien entendu, à le descendre devant la vue parisienne. En contrebas, un mur de soutènement, qui est à la fois concave et convexe, dessine des rampes douces jusqu'aux grilles d'escalier. Et donc, entre ces deux architectures, vous voyez la fontaine et le mur de soutènement en bas, eh bien, il y a donc un traitement façon 18e, avec un appareil embossage continu, refend, des colonnes, des vases, des balustrades, et puis des parterres ordonnés, géométriques, bordés là aussi d'une double allée d'arbres taillés. L'ensemble est donc très classique et offre des possibilités diverses de gravir la colline. Voilà. Donc, en conclusion, je voudrais dire qu'en fait, ici, je ne vous ai pas montré l'ensemble des plans, donc avec des calques aussi et des esquisses, parce que il n'était pas nécessaire de le montrer dans la mesure où l'important ici c'était de montrer comment nous, ce qui nous importe en tant que musée, c'est d'avoir tout de même des vues montrables, si vous voulez, qu'on puisse mettre sur un mur, et Dieu sait que c'est pas évident de montrer de l'architecture sur un mur en général, mais sur un mur de musée encore moins, et encore moins un mur de musée d'Orsay, et que donc voilà, le propos, c'était de montrer comment ces fonds qui nous parviennent donc par des galeristes ou parfois par des ventes dans une brocante qu'on remarque ou chez un vendeur de livres aussi, parfois, qui a de temps en temps des dessins, pour nous est important parce que ça constitue évidemment l'histoire de notre architecture paysagiste au même titre que le reste.
Malgré tout, un musée ne peut pas cibler ses acquisitions sur des fonds trop importants, hein, en termes de volume, car ils ne seront ni montrés, ni gérés comme ils le mériteraient. Nous ne sommes pas des archives, nous ne sommes pas un centre d'archives. Et la nécessité d'avoir des beaux dessins que l'on puisse accrocher dans les galeries des collections est impérative pour justifier les achats, hein, parce qu'on doit aussi justifier les coûts, même si, évidemment, vous le savez, un dessin d'architecture coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'une peinture. Il conviendrait donc ensuite de diffuser le reste de ce qui existe, hein, parce qu'on a bien sûr des fonds qu'on pourrait appeler des fonds d'archives, par la voie de la numérisation afin d'en faire profiter les chercheurs. Je vous remercie.